Abordons à présent l'énergie mécanique et tout d'abord sa définition. Eh bien, l'énergie mécanique d'un système, c'est la somme de son énergie cinétique plus ses énergies potentielles. Eh bien, cette énergie mécanique va être l'occasion de découvrir un nouveau théorème qui va prendre deux formes. Dans sa première, il y a non-conservation de l'énergie mécanique si le système est soumis à des forces non-conservatives. On écrit ça mathématiquement sous la forme suivante, DEM sur dt, la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps, est égale à la puissance des forces non conservatives. Pour démontrer cela, on considère un système soumis à des forces conservatives et non conservatives. On va lui appliquer le théorème de l'énergie cinétique, et donc on écrit d de EC sous forme différentielle est égale à la somme des travaux et des forces qui s'appliquent sur le système. On peut décomposer ce travail en deux. Le travail élémentaire des forces conservatives plus le travail des forces non conservatives. On sait que le premier terme vaut par définition moins la dérivée de l'énergie potentielle du système. On garde le deuxième terme tel quel. Et on va passer donc le moins DEP de l'autre côté pour écrire D de EC plus EP qui va être égal à delta W des forces non conservatives. Il nous suffit alors de dériver par rapport au temps cette relation. On obtient DEM sur DT égale somme des puissances des forces non conservatives. Si maintenant il y a conservation de l'énergie mécanique, c'est que le système est soumis uniquement à des forces conservatives ou qui ne travaillent pas. Donc l'énergie mécanique va être constante. On peut écrire DEM sur DT qui vaut 0, donc EM est égal à constante, et donc la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle est une constante. Si on travaille par exemple entre deux points A et B, on pourra écrire que ECA plus EPA est égal à ECB plus EPB. Et on travaille souvent comme cela. Attention, les énergies potentielles sont multiples, donc selon s'il y a une ou plusieurs forces conservatives qui s'exercent sur le système. Avec ce théorème de l'énergie mécanique, on peut retrouver facilement une équation différentielle, par exemple celle de l'oscillation du solide relié à un ressort. Et bien, si on prend un ressort horizontal, on va pouvoir écrire que l'énergie mécanique, ça vaut la somme de l'énergie cinétique 1/2 de mv2 plus l'énergie potentielle élastique, qu'on va prendre égale à 1/2 de kx2, si on a choisi toujours la position d'origine correspondant à la longueur vine du ressort. On ne va pas s'intéresser aux forces R et P puisqu'elles se compensent, et de toute façon elles sont perpendiculaires au mouvement. Appliquons le théorème vu juste au-dessus. On a donc DEM sur DT qui vaut 0, qui équivaut à D sur DT de 1/2 de MV2 plus 1/2 de KX2 qui est égal à 0. Les dérivées ne sont pas compliquées. On va obtenir 1/2 de M, puis on va dériver par rapport au temps V2. Ça fait donc 2V dV sur DT. Puis, on va dériver 1/2 de K, donc X2, 2X DX sur DT. Et ceci fait 0. On voit que les 2 et les 1/2 vont s'en aller. Et que ici, nous avons la vitesse. Donc, on va pouvoir supprimer la vitesse. Et finalement, on obtient M dv sur dt plus kx est égal à 0. Et ceci est exactement équivalent à la dérivée double de x par rapport au temps plus k sur m x est égal à 0, c'est-à-dire l'équation différentielle d'oscillation d'une masse accrochée à un ressort horizontal. Donc en quelques lignes de calcul, on retrouve cette équation différentielle classique des oscillations. On va maintenant parler d'un concept important. Nous allons voir que quand on a un système conservatif, donc dont l'énergie mécanique est constante, eh bien en étudiant le profil de l'énergie potentielle, on peut obtenir le type de mouvement que va suivre le point matériel. On considère donc un système soumis qu'à des forces conservatives, et donc elle dérive d'une énergie potentielle qu'on appellera EP pour l'énergie potentielle totale s'il y a plusieurs forces conservatives. Et donc, n'étant soumis qu'à des forces conservatives, on a l'énergie mécanique qui se conserve. La définition de l'énergie mécanique nous dit que EM, c'est EC plus EP. Et on peut ainsi écrire que EC, c'est égal à EM moins EP. Et l'énergie cinétique, elle vaut 1/2 de MV2.
Elle est forcément positive ou nulle. Ainsi, EM moins EP est forcément positif ou nul. Cela implique que l'énergie mécanique est forcément supérieure ou égale à l'énergie potentielle. Et bien, à partir de là et à partir du profil de l'énergie potentielle, on va pouvoir savoir quel mouvement va décrire le point M. Rappelons-nous, nous avons dit qu'on utilise l'énergie lorsque le système est à 1 degré liberté, c'est-à-dire qu'on peut repérer le point M par un seul paramètre. Ainsi, l'énergie potentielle pourra être exprimée avec un seul paramètre. Par exemple, on pourra avoir EP en fonction de X, ou alors EP en fonction de R, en coordonnées polaires. Si on connaît l'expression mathématique de EPX ou de EPR, on peut dessiner alors les profils d'énergie potentielle en fonction du paramètre X ou en fonction du paramètre R. En physique, on rencontre généralement deux types de profils d'énergie potentielle. Le premier, on va l'appeler barrière d'énergie potentielle, et le deuxième, puits d'énergie potentielle. En même temps que l'on pourra tracer ces profils, on aura également la valeur de l'énergie mécanique, puisque cette énergie mécanique est constante, elle a la même valeur à tout instant, y compris d'ailleurs à l'instant initial, et c'est généralement comme ça qu'on la calcule. On va pouvoir dessiner le niveau d'énergie mécanique, par exemple ici, ou alors ici. Et on voit que pour satisfaire à la condition qu'on a écrite précédemment, c'est-à-dire EM supérieur ou égal à EP, eh bien il y a dans ces deux profils des régions qui sont interdites. En effet, le point matériel M ne pourra jamais atteindre cette zone d'énergie potentielle, dans le cas de la barrière d'énergie potentielle, et dans le cas du puits d'énergie potentielle, ces deux régions sont inaccessibles pour le point matériel. On voit que ces régions sont limitées par deux points, on va les appeler X1 ou R1 et X2, et ici X1 et X2. Cela signifie que le point matériel peut avoir un mouvement soit compris entre 0 et X1, ou alors de X2 à l'infini. Le domaine de mouvement dépendra des conditions initiales. S'il se trouve entre 0 et X1, il restera entre 0 et X1. Et s'il se trouve au-delà de X2, eh bien il restera au-delà de X2. Et dans le cas du puits d'énergie potentielle, le solide est obligé de rester entre X1 et X2. Il est piégé dans ce domaine. Pour le cas du puits d'énergie potentielle, on dit que le point M est dans un état lié. C'est exactement dans ce cas de puits d'énergie potentielle que sont les oscillateurs mécaniques. Enfin, nous allons voir dans ce dernier paragraphe comment obtenir les positions d'équilibre d'un système matériel grâce à son énergie potentielle. La notion d'équilibre dit que le solide est en équilibre, si c'est un point matériel, si la somme des forces extérieures est égale à zéro. Attention, cette formule concerne uniquement les points matériels. Si on parle d'équilibre de solide, alors il faut regarder si la somme des moments de force, que nous verrons plus tard, est également égale à zéro. Mais ici, nous faisons de la mécanique du point, donc on ne considérera pas l'équilibre de solide. Si on considère à présent que le solide n'est soumis qu'à des forces conservatives, somme des forces extérieures égale à zéro va pouvoir également s'écrire moins gradient de l'énergie potentielle est égal à zéro. Si on considère un solide qui se déplace sur une seule coordonnée de l'espace, par exemple EP de X, eh bien le gradient prend une forme plus simple, c'est-à-dire dEP sur dx est égal à 0. Les positions d'équilibre vont donc correspondre aux extrémums de la fonction EP de x. Une fois que l'on aura trouvé les positions d'équilibre avec dEP sur dx est égal à 0, on va pouvoir avoir accès aux extrémums, par exemple x1 et x2. Pour savoir si ces positions x1 et x2 sont des positions d'équilibre stables ou instables, on peut montrer qu'il faut calculer la dérivée double de l'énergie potentielle par rapport à la variable x. On va alors s'intéresser au signe de cette dérivée double en x1 et x2. Et selon le signe de ce calcul, en x1 et x2, on saura si les positions x1 et x2 sont des positions d'équilibre stables ou instables. On peut montrer que si dEP, par exemple, sur dx2 en x égale à x1 est positive, alors x1 est une position d'équilibre stable. Si d2 de EP sur dx2 en x égale x2 est négatif, alors x2
est une position d'équilibre instable. On peut repérer les positions d'équilibre stable et instable sur un profil d'énergie potentielle. Si le profil est comme ceci, la position X1 est une position d'équilibre stable. Sinon, on a le profil comme ceci et X2 est une position d'équilibre instable. On remarque bien qu'au niveau de ces positions d'équilibre stable et instable, la pente de la tangente à la courbe est égale à 0, ce qui correspond bien à la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à X est égale à 0.